Okay, so it's Detective Major. We have Detective Evans in the room, Sean Great in the room. It's September 15, 2016, time 17:04. Sean's gonna demonstrate the way he uses in strangulation in cases that we have been discussing. Well, Elizabeth, right? It's kind of shocking, right? I was just joking. We were just joking, like, how she wished she kind of would die, you know what I mean? I was like, so I'll help you. I just go like this, you know what I mean? Like, Motion forward and yeah. Up at the same time. Right. And she kind of just, like, whacked my hands and, like, started flipping out and stuff like that to the point where I had to just, like, grab her and I just would lean forward and just press. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et avant de commencer une toute petite précision, parce qu'il y a quand même encore un petit peu des commentaires sur ce truc-là. Quand je dis un mot en arabe, faut savoir que le mot d'après, ça va être la traduction. Donc si je dis par exemple ce hmar de un tel, cet abruti de un tel, bah, je vais le dire comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser, donc trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence le 8 août 1976 à Marion, dans l'Ohio. Le petit Sean Great vient au monde, fils de Teresa McFarland et Terry Great. Il est le dernier de trois enfants. Barbara est née en 1969 d'une précédente union et Jason est né en 1974. Pour dire quelques mots rapidement sur Teresa, la maman, il faut savoir qu'elle a été mariée à l'âge de 14 ans seulement. L'homme qu'elle épouse alors s'appelle Edward Meadows, elle aura avec lui un enfant, donc Barbara. Trois ans après cette naissance, donc on est en 1972, Teresa finit par demander le divorce. Edward est un homme violent qui abuse d'elle, donc au revoir et merci pour rien. Elle fait ensuite la rencontre d'un homme qui s'appelle Terry Great dans un bar, le Baja Boat, je crois qu'on dit Baja. Je crois que c'est espagnol. C'est un bar dans lequel elle travaille comme danseuse, donc ils vont tous les deux se fréquenter un certain temps et ils vont se marier en 1974. S'ensuit alors l'arrivée dans la famille de Jason, puis de Sean. La famille Great est plutôt instable, Teresa est absente souvent de la maison, elle néglige ses enfants, elle passe énormément de temps à sortir en soirée, faire la fête avec ses amis. On est dans les années disco-funk, donc tout le monde a envie d'être sur le dance floor. Mais pour Teresa, il y a quand même un amour du disco-funk qui est si extrême, c'est pas drôle, qu'elle passe tous ses week-ends en boîte de nuit, elle oublie de s'occuper de ses enfants, tel on oublie d'arroser une plante qu'on a dans le salon. Sean, le petit dernier, va avoir des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement aussi, qui sont expliqués par une mère absente et une mère négligente. Malgré ça, c'est un petit garçon qui est charmant, qui est très apprécié par notamment les filles, avec lesquelles il est très attentionné. En 1982, et ce après 10 ans de mariage, Terry et Teresa divorcent, et le divorce a lieu deux jours avant l'anniversaire de Sean. Il fête son 6e anniversaire au sein d'une famille qui est maintenant brisée. À partir de là, Sean va être très perturbé par le comportement de sa mère avec qui il habite maintenant, puisqu'après le divorce, c'est elle qui a obtenu la garde des enfants. Teresa va passer d'un petit copain à un autre et Sean aura du mal à les accepter, il va tous les détester. 5 ans plus tard, alors que Sean a 11 ans, sa mère décide d'abandonner la famille, elle quitte l'État et elle va dans le Kentucky, elle s'installe avec un autre homme. Faut savoir qu'entre le Kentucky et l'Ohio, il y a environ 400 km, donc les visites le week-end, ça risque d'être compliqué. Est-ce que Teresa a abandonné ses enfants pour cet homme parce que Sean ne supportait pas qu'elle refasse sa vie et que du coup elle les néglige encore plus? Possible. De toute façon, depuis le départ, on a clairement affaire à une mère qui se fout royalement du sort de ses enfants. Deux mois avant les 18 ans de Sean, Terry, le père, se voit accorder la garde des enfants, enfin notamment des garçons, donc Jason et Sean. Au lycée, Sean va devenir un prodige du baseball au sein de l'équipe de son école. Il va avoir un accident au cours duquel il se casse le bras. On lui découvre alors une tumeur et ça lui vaudra de devoir renoncer à un avenir professionnel dans le baseball. En novembre 1994, soit seulement 6 mois après que Sean soit revenu habiter chez son père, il commence à avoir des problèmes avec la justice. Faites, le schéma est tellement classique que, tu sais, quand je prends mes notes, je peux presque faire un brouillon et juste, tu sais, rajouter les noms des gens, en fait. Sean est arrêté pour avoir attrapé sa petite amie à la gorge, petite amie qui essayait de rompre avec lui depuis 6 mois, mais elle n'y arrivait pas puisque, comme on l'a deviné, Sean était violent avec elle, donc par peur, elle restait avec lui. C'est quand même intéressant de relever ce truc-là, parce que c'est une question qui a été posée lors de la vidéo de Karabo Mokoena, donc la question de
pourquoi certaines femmes restent avec un homme qui est violent. Moi, ça, c'est déjà un début de réponse. Faut savoir qu'on est dans une période de la vie de Sean où il y a un peu de flou, il y a des informations qui sont manquantes ou qui sont pas claires, à savoir que il est papa d'un enfant avec une de ses petites amies et j'ai pas réussi à savoir si c'était celle-ci, donc celle qui a été agressée, ou si c'était une autre. En 1996, il est arrêté, cette fois pour cambriolage. À l'aide d'un ami, il est entré par effraction dans une maison et ils y ont dérobé des bijoux et de l'argent. Sean sera condamné à 4 ans de prison, mais il sera libéré sous condition seulement un an plus tard, donc en 1997. En 1999, Sean a une petite amie dont, encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a 17 ans et qu'elle est enceinte de lui. Tout comme celle dont j'ai parlé il y a 10 secondes à peine, Sean va l'étrangler. La jeune femme va donc appeler la police. Un mois plus tard, sûrement en colère qu'ils ne soient plus ensemble, Sean va entrer chez elle par effraction et il va la menacer au couteau. Il va même l'empêcher de quitter les lieux, enfin les empêcher de quitter les lieux, puisque la sœur de la jeune femme en question est présente. Cet incident sera considéré par les autorités comme une agression doublée d'un enlèvement. Sean sera arrêté, il passera par la case tribunal, il plaidera non coupable et il passera 3 années en prison. En 2011, il rencontre une femme qui s'appelle Amber. On est un dimanche, ils sont tous les deux à l'église, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Amber dira plus tard que Sean avait une façon de la regarder qui lui a donné confiance en elle. Elle se sentait belle à ses yeux, il était super gentil, doux, très attentionné. Et quand ils se sont mis en couple, Amber s'est sentie aimée comme jamais elle l'a été auparavant. Elle tombe folle amoureuse de lui, ils se marient au mois de décembre, la vie est belle. Ils s'aiment énormément, ils ont des activités de couple régulièrement, enfin c'est exactement comme elle s'imaginait que la vie de couple serait. Ils vont à l'église ensemble, ça c'est quelque chose d'important pour Amber, surtout que c'est la façon dont ils se sont rencontrés. Aller à l'église le dimanche, ça devient une activité familiale hebdomadaire. Et puis un beau jour, Sean raconte à Amber qu'il a poignardé une femme. C'était il y a environ 5 ans, donc il l'a poignardé et il l'a tuée. Alors bien sûr, Amber elle est choquée, elle n'a jamais vu Sean violent, ni même en colère, et je pense qu'en réalité, elle ne le croit pas. Elle tombe enceinte quelques mois après qu'ils se soient mariés, et là, tout va changer. Il s'absente, il est quasiment jamais à la maison. Les activités de couple, il ne veut plus les faire, il ne veut plus aller à l'église. Il devient agressif, il l'insulte. Il ne la soutient absolument pas pendant sa grossesse, enfin, il disparaît même. Mais pendant l'accouchement, il va être là, il lui fait une petite réapparition. Mais c'en est trop pour Amber, elle en a marre. Elle décide, après la naissance de leur fille, de se séparer de lui. Elle demande le divorce après qu'un incident et eu lieu. Une femme lui téléphone, cette femme, elle demande après Sean, et Amber lui explique « Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est mon mari ». La personne lui répond « Ah ok, je savais pas qu'il était marié, il m'a dit qu'il habitait avec sa sœur et que sa sœur venait d'avoir un bébé ». Quand Amber confronte Sean à cet étrange appel, il fait sa valise et il s'en va. Amber finit même par obtenir une ordonnance restrictive à son encontre, puisqu'un jour il lui dit « Je vais faire un tirage au sort, je vais mettre les noms des membres de ta famille dans un chapeau, je vais les prendre au hasard et puis je vais tous les tuer un par un. » En fait, ça sert à quoi de faire un tirage au sort? Si tu vas tirer au sort tous les noms et que tu vas finir par tous les tuer. C'est pas le principe d'un tirage au sort, en fait. Sean lui aurait aussi dit « Si je ne peux pas voir ma fille, dans le sens, bah, si elle en empêche, personne ne la verra. » La moindre des choses que Amber pouvait faire à ce moment-là, bien sûr, pour protéger et sa famille et sa fille surtout, c'était d'obtenir une ordonnance restrictive. On fait une avance rapide. Au 13 septembre 2016, on est dans un centre de répartition du 911. Tu sais, c'est les centres d'appel où les répartiteurs vont t'envoyer bah, soit la police, soit les pompiers, enfin, selon ton urgence. Sarah Miller est une femme qui est employée dans ce centre depuis 21 ans maintenant, et elle va recevoir un appel des plus étranges. Pour préserver l'identité de la jeune femme qui passe ce coup de fil, on va l'appeler Jane Doe. 911, what is the address to your emergency? 5th and 4th, street laundromat. What is it? 4th street laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. If I'm looking at the laundromat, which way is it? If you're looking in the laundromat, it's one on the left of the two. Do
You don't know what color the house is? No. Please hurry. So what's your phone number you're calling me from? I don't know. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into it. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. And his name is Sean Great? Yes. Like G-R-A-T-E? Yes. Does he have a weapon? He's got a taser. What does he look like? Is he a white male or a black male? White. Is he like 6 foot or is he shorter than that? He's like 6'1", 6'2". Do you know how much he weighs? Probably 175. Are you injured? Little. What color is his hair? Brown. What's he wearing? Nothing right now. Okay, stay on the phone with me. Is he still sleeping? Yes. Where did he take you from? My apartment. I mean, I was walking with him. Where were you walking to? His place. I've known him for like a month and a half. Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. Is there a bathroom in the house? Well, his bedroom is closed, and he made it so it would make noise. But if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. Are you tied up now? Well, but I kind of freed myself. Is he in the same room with you? Yes. Is it his phone you have? Yes. Are they on the way? Yeah, we have officers we're sending. Okay. Please send them up. Hey, if you're worried, you don't have to talk. You can just set the phone down, okay? Are you upstairs or are you downstairs? We're downstairs. There's a door. There's a side door on the right of the left now. Do you need an ambulance? Are you bleeding from anywhere? Not anymore. Do you know where he lives? Just set the phone down. Are you still there? I'm a stalker. What? I'm a stalker. Do you hear any officers outside? No. Okay, they're in the area. Is there a window around there you can look out? Yeah, but the floor squeaks and it's right by his head. Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. And you can't open it? I'm afraid without making noise. Is the door to the house open? I don't know, probably. I don't think he has a key, I'm not sure. What's that? What's that noise? If you think you can get out, you need to get out. Unless they were right here, he would hear me catch me and he's strong. He's on the first floor. Are you at the house closest to the laundromat or the other one?
Are you the one closest to the laundromat or the other one? We were standing in the laundromat looking at the two houses that would be on the left. Here, look out of the laundromat. So if you're looking at the laundromat, it'd be the one on the right. At the laundromat. If you're looking at the laundromat, it'd be the one on the left. Side door. Side door. And the side door. The side door to the right. You hear him? Yes. Okay, do you think you can get out? Yes. Are you out of the bedroom? Yes. It doesn't have a door. You need to push. Out of the bedroom. You're out? Can you get out of the house? Locked. It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. Is there a window there? Yeah, I'm looking out and they're telling me to come back. She said, hurry, hurry. She said to hurry up and come back. Can you unlock the door at all? Comme on l'aura compris, la police, en arrivant sur place, ils ne savent pas dans laquelle des deux maisons se trouve Jane. Ils font le tour à l'extérieur. Jane parvient à sortir discrètement de la chambre après avoir entendu les policiers dehors. Elle se place devant une porte-fenêtre pour se mettre en évidence et enfin, un des officiers l'aperçoit. Les policiers forcent alors la moustiquaire, puis ils tentent d'ouvrir la porte qui, malheureusement, est verrouillée. Jane, de son côté, donc à l'intérieur de la maison, elle essaye de l'ouvrir et après plusieurs essais, elle y parvient. Un des policiers, constatant que la pauvre Jane est toute nue, lui demande de se cacher à l'intérieur de la maison. J'imagine même pas à quel point elle devait juste avoir envie de sortir, de se barrer en courant, à poil ou pas à poil. Bon, après, je pense que la présence des policiers, ça a dû quand même la rassurer. Je pense que dès qu'ils ont pointé le bout de leur nez, elle a dû se sentir tirée d'affaire. Jane se cache dans la salle de bain pendant que les officiers traversent la cuisine. Ils se rendent dans la chambre où Sean est encore en train de dormir. Ils procèdent à son arrestation pour enlèvement. L'agent qui interroge Sean, il va lui poser des questions en faisant comme s'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un enlèvement. Dans un premier temps, Sean va admettre qu'il n'habite pas vraiment dans cette maison, il squatte. Il raconte qu'il a rencontré Jane il y a environ 2 mois, donc vers la fin du mois de juillet, et leur rencontre s'est faite au Croc Center. Le Croc Center, c'est en fait un centre communautaire qui a pour vocation de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Le centre offre par exemple un accès facile aux programmes artistiques, musicaux, sportifs, éducatifs. Leur installation, elle comprend un centre de culte pour les membres de l'armée du salut, une maison de campagne, des salles de classe, une zone de divertissement et une salle communautaire. Donc c'est à cet endroit-là que Sean et Jane se sont rencontrés et ils sont devenus amis. Jane étant très croyante, elle lit souvent des passages de la Bible à Sean et Sean assez vite lui fait comprendre qu'il est intéressé par une relation plus qu'amicale. Il lui a demandé son numéro de téléphone et elle a refusé de lui donner, mais il continuait quand même de se voir pour faire des balades, etc. Enfin, elle voulait quand même rester amie avec lui. Le 11 septembre de cette année-là, donc elle se rend chez lui pour lui lire des passages de la Bible et aussi parce qu'il lui dit qu'il va lui donner des vêtements. Sean raconte qu'ensuite ils ont commencé à se disputer quand il a voulu coucher avec elle et que Jane lui a dit non. Puis après il va dire, mais en fait elle a pas vraiment dit non, elle a dit arrête. Alors dans mon dictionnaire, arrête c'est un synonyme de non en fait. À ce moment-là, il lui aurait mis une petite tape sur l'épaule et puis ils ont fini par coucher ensemble. Et c'était soi-disant consenti. Sean va préciser qu'elle n'a pas aimé particulièrement leur intimité ce jour-là, mais ils s'aiment quand même, ils vont se marier, c'est sa fiancée. Bien sûr, on sait tous que ce n'est qu'un tissu de mensonge, ni c'est sa fiancée, ni elle a voulu coucher avec lui, ni elle voulait même être dans cette maison. Au cours de cet interrogatoire, Sean va révéler de plus en plus ce qu'il s'est passé. Il a attaché Jane, il lui a épilé le pubis en forme de cœur, c'est assez original. Je connaissais le brésilien, le ticket de métro, mais alors le cœur du violeur, j'avais jamais entendu parler. Sean l'a bien violé, il l'a frappé, il l'a filmé par moments et des fois il lui donnait des médicaments pour la shooter. Chaque fois qu'il la violait et qu'il racontait ça
à l'officier, il disait « on a couché ensemble ». Il disait jamais « je l'ai violé ». Enfin, il a fini par le dire à un moment donné, mais pendant très longtemps, il disait « on a couché ensemble ». Par contre, il utilise bien le mot « kidnapper » dès le départ, mais pour lui, c'est une preuve d'amour. Il précise qu'il attachait Jen avec des morceaux de tissu. Il prenait aussi bien soin d'avoir toujours des tasers à côté de lui au cas où elle essaye de s'enfuir. Et la pauvre Jane, elle est tellement terrifiée à l'idée de ne pas sortir de là vivante qu'en effet, elle promet à Sean qu'elle va l'épouser. « Si tu me laisses partir, je ne dirai rien à personne et je t'épouserai. » Clairement, elle est en mode survie. Lorsque la police procède à la perquisition de la maison dans laquelle Sean squattait, d'abord, ils découvrent dans une chambre au rez-de-chaussée tous les éléments qui leur ont été décrits par Jane et par Sean lui-même. Les bouts de tissu qui servaient à attacher Jane, les tasers, etc. Ensuite, on va se rendre à l'étage. On y trouve une autre pièce, une chambre, avec aussi un lit et des morceaux de tissu qui ont servi à attacher qui, puisque Jane est restée au rez-de-chaussée de la maison. Dans cette chambre, un des officiers va découvrir un amas de vêtements, des peluches, un long morceau de bois avec des préservatifs dessus, une sorte de collection chelou. Et il trouve aussi un vaporisateur, hein, tu sais, un truc du genre Febreze, sauf que l'odeur de la mort, tu peux pas la Febreze. Fun fact, mais tu sais que même si t'as jamais senti l'odeur de la mort, bah, dès que tu la sens, tu la reconnais. C'est en même temps chelou, mais en même temps ça paraît logique, puisque, je sais pas, c'est comme si ton corps, en fait, il était designé pour reconnaître une chose à laquelle il était... destinée. C'est un peu dark, je me perds. On retourne à notre histoire. Après que les officiers aient enlevé méticuleusement chaque peluche, chaque vêtement, ils trouvent des asticots et des mouches. L'un d'entre eux aperçoit ensuite une porte qui est couverte de scotch noir. Évidemment, on ouvre cette porte, derrière laquelle on va trouver encore un autre tas de vêtements sous lequel se trouve un pied. On retire les vêtements qui recouvrent ce corps en décomposition, il s'agit d'une femme. Elle est face contre terre, ses jambes sont relevées, ses mains sont derrière son dos et chacune de ses extrémités est attachée avec un bout de tissu. La victime, c'est Elizabeth Griffith, une femme de 29 ans au moment de sa mort. Elizabeth, elle est décrite par sa famille comme étant toujours souriante, gentille, innocente et elle a un retard mental qui malheureusement fait d'elle une proie facile. Elle a été diagnostiquée schizophrène et elle était suivie dans un centre médico-psychologique, le centre Appleseed. Elle prenait un traitement, elle était absolument autonome, elle avait un appartement, etc. Elizabeth vivait à Ashland, tout comme Sean, et elle connaissait Jane, la survivante, par le biais du Croc Center. Elizabeth avait justement déjeuné ce jour-là au Croc Center, enfin le jour de sa disparition, c'est-à-dire le 16 août 2016. Après son repas, elle a pris le bus pour aller faire des courses et on ne l'a plus jamais revue. Tina Schwartz, sa conseillère, s'est d'autant plus inquiétée du fait qu'Elizabeth a pour habitude de téléphoner aux numéros qui sont disponibles 24 heures sur 24, les lignes de soutien pour les personnes qui ont besoin de parler, mais personne n'a eu Elizabeth depuis des semaines. C'est donc Tina Schwartz qui va signaler sa disparition à la police le 7 septembre 2016. Une enquête est ouverte et on va alors découvrir que le jour de sa disparition, Elizabeth s'est rendue chez Walmart. Tu sais, Walmart, c'est un genre de grand carrefour, mais 10 fois mieux. Lors d'une perquisition qui va être effectuée à son appartement, les enquêteurs vont découvrir des tickets de caisse, ce qui va prouver que Elizabeth est rentrée chez elle après ses courses. Je suis pas sûre que ça prouve forcément qu'elle soit rentrée, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est revenu chez elle avec ses courses. Sur un calendrier qu'il trouve chez elle, il remarque qu'à la date du 16, donc le jour de sa disparition, elle avait rendez-vous avec une amie qui s'appelle Cindy. Au final, Cindy n'était pas disponible ce jour-là, donc elle a annulé, mais les jeunes femmes ont discuté par téléphone quelques jours avant la disparition d'Elizabeth, et Elizabeth était particulièrement heureuse puisqu'elle avait une bonne nouvelle à annoncer à son amie. Elle avait rencontré un homme. Retour à la maison des horreurs, puisque malheureusement, Elizabeth n'est pas la seule victime qu'on y découvrira. Au sous-sol, d'où se dégage aussi une odeur non fébrisable, les officiers vont découvrir des sacs poubelles empilés les uns sur les autres, près des escaliers. Près des ordures, près des sacs poubelles, ils trouvent une main, ils découvrent une main sur laquelle il y a des bracelets, quelques bijoux et du vernis de couleur violette. Encore une fois, on retire méticuleusement chaque objet qui recouvre ce cadavre, vêtements, couverture, sac poubelle. La victime, c'est Stacy Stanley, aussi connue sous le nom de Stacy X. Son corps est face contre terre, elle est dévêtue sur le bas de son corps, elle ne porte qu'une seule botte. Autour de son cou, un bout de tissu, similaire à celui qui a servi à attacher Jane au rez-de-chaussée et à attacher Elizabeth à l'étage. Près du corps de Stacy, on retrouve son sac à main et aussi un long morceau de bois couvert de préservatifs, comme à l'étage. On comprend à ce moment-là que le morceau de bois a servi à Sean
de sextoy, un sextoy fait maison. Stacy était une mère de 43 ans, une femme décrite comme généreuse, aimante et, d'après son fils, la meilleure cuisinière qui soit. Par le passé, Stacy a eu des problèmes d'addiction, mais elle était clean depuis un an. Le jour de sa disparition, c'est-à-dire le 8 septembre, elle avait rendez-vous à 14h dans un salon de beauté pour une manucure. Le salon de beauté se trouvait à Ashland, près de Walmart. Sunny, l'homme qui devait s'occuper de Stacy, quand elle est arrivée, il lui a fait comprendre que malheureusement, il ne pouvait pas la prendre tout de suite. Donc il lui a demandé de repasser un peu plus tard. En attendant qu'il soit disponible, Stacy a décidé de faire un petit tour au Walmart. Elle avait besoin d'acheter des articles pour son jardin. Elle est ensuite retournée au salon de beauté où, pour sa manucure, elle a choisi la couleur de vernis violette. Ce jour-là, elle devait voir son fils pour déjeuner, mais comme il se faisait tard et qu'elle n'avait pas encore fini ses courses, ils ont décidé ensemble d'annuler par texto, en échangeant par texto. Stacy remonte à bord de sa Mitsubishi, elle continue ses emplettes et elle finit par prendre la route de la maison. En chemin, elle est contrainte de s'arrêter à une station essence à cause d'une crevaison. Elle appelle son fils Corey à l'aide et Corey va appeler Wayne, qui est un ami de la famille puisqu'il se situe plus près. Wayne arrive à la station essence et, aux surprises, Stacy est en compagnie d'un homme. Wayne va aider ce gentil inconnu à changer le pneu, ils vont aussi un peu discuter, un peu échanger. Stacy va proposer à ce bon samaritain de lui offrir un café à la station essence pour le remercier. Elle lui propose également de le ramener chez lui, de le raccompagner chez lui en voiture puisqu'il est à pied. C'est ce soir-là, donc le soir du 8 septembre, que Stacy disparaît aux environs de 22h30, 23h. Corey, qui avait pour habitude de parler avec sa mère très régulièrement, va très vite s'inquiéter du fait qu'elle ne répond plus à ses appels, et ce, dès le lendemain. Il se rend alors chez elle, où bien sûr, il ne la trouve pas, il ne trouve que ses deux chiens. Il contacte alors la police et il signale sa disparition. Les policiers vont rapidement retrouver son véhicule et ils vont remarquer que le siège conducteur est reculé à fond. Il y a aussi des mégots de cigarettes à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de Stacy. En plus des corps de Stacy et d'Elisabeth qu'on découvre chez lui, Sean va révéler à la police qu'il a plus de victimes à son palmarès. Il admet avoir tué Stacy, Elisabeth et toutes les autres parce qu'elles étaient bêtes, elles n'avaient rien dans la tête, il n'a fait que prendre leur corps. Punchline de malade. La propre mère de Sean déclare dans une interview en parlant de son fils, il est beau, mais le diable aussi, il est beau. Donc comme je le disais pendant son interrogatoire, Sean, il va tout balancer, il va finir par emmener les policiers à Richland, dans la cour d'une maison qui a été incendiée. Et dans cette cour, autre macabre découverte, Candice, une femme de 29 ans, au moment de sa mort. Candice avait des problèmes d'addiction, elle a fini par croiser le chemin du diable, et il a fini par la tuer en l'étouffant. Rebecca Lacey, une autre victime, une femme de 31 ans, dont le corps avait été découvert l'année précédente, soit en 2015. Puisqu'elle aussi avait des problèmes de drogue, la cause de sa mort a été déclarée comme étant une overdose. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une overdose, la pauvre jeune femme a eu le malheur de croiser elle aussi le chemin de Sean. Ça s'est passé dans un bar, et la raison pour laquelle Sean l'a tué, c'est parce que la pauvre jeune femme a eu le malheur de lui voler la somme de 4 dollars. La misérable somme de 4 dollars. Clairement, pour un montant pareil, elle méritait de mourir. Et j'ai gardé le plus sinistre pour la fin. Dans cette affaire, on a une autre Jane Doe. C'est une victime dont on ne connaît pas l'identité. Sean pense qu'elle s'appelle Dana, mais il n'est pas vraiment sûr. Le corps de Dana slash Jane Doe a été retrouvé en 2007 à Marion dans l'Ohio. Donc si on se rappelle bien, c'est de là qu'il est originaire, le mec. Ça fait quand même flipper de se dire que tout ça a commencé en 2007, enfin peut-être même avant en réalité. Et est-ce que ça s'est arrêté entre 2007 et 2015? Est-ce qu'il a d'autres victimes à son palmarès dont personne n'est au courant? C'est une pensée flippante. En juin 2019, le projet Jane Doe permet d'identifier le corps de cette victime de 2007. Il s'agit bien d'une femme qui s'appelle Dana Nicole Lauré. C'était une femme de 23 ans, en tout cas 23 ans au moment de sa mort, qui était originaire de Minden, en Louisiane. Dana travaillait comme vendeuse de magazines en faisant du porte-à-porte et elle a eu le malheur de frapper chez les Gretz, chez la famille Gretz, parce qu'à cette époque-là, Sean habitait encore chez sa mère. D'ailleurs, Teresa, donc la mère de Sean, lui a même acheté un abonnement pour je ne sais quelle raison, n'a jamais abouti, Teresa n'a jamais reçu les magazines en question. Un peu plus tard, Sean croise le chemin de Dana en ville. Est-ce que c'était du stalking? Est-ce que c'était par hasard? On ne saura jamais, je pense. Il la croise donc et lui propose de lui acheter un abonnement
pour lui, cette fois pour lui. On ne sait pas trop comment il arrive à l'isoler, à l'éloigner du centre de la ville, enfin loin de tout regard qui pourrait percuter de ce qui est en train de se passer. Il la kidnappe et malheureusement on connaît la suite. Un élément à préciser dans le cas de Dana, c'est qu'elle n'a jamais été portée disparue pour la simple raison qu'elle était séparée de son mari et de leurs deux filles, enfin elle était partie de la maison, elle avait quitté le domicile familial, donc son mari pensait tout simplement qu'elle ne voulait plus avoir de leurs nouvelles. On arrive maintenant au procès qui fut haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Le procureur demande la peine de mort en raison, et je cite, « des preuves horribles et des actions dépravées dans cette affaire ». La pauvre Jane Doe, la survivante, donc bien sûr, elle témoigne, c'est grâce à elle, c'est grâce à son courage que ce tueur en série a pu être arrêté. Pendant le procès, elle raconte le calvaire qu'elle a vécu et comment elle a été, et je cite, « agressée de toutes les manières possibles et imaginables ». Sean est représenté par un avocat commis d'office. De toute façon, j'ai envie de te dire, même s'il avait les thunes de se payer le plus grand avocat de tout le cosmos, le mec était dans la merde. Il plaide non coupable, excellente stratégie, le fameux « je suis fou, donc je ne suis pas responsable ». Il va même faire mieux que ça, il va blâmer le gouvernement. Il va dire, en parlant des victimes, elles étaient déjà mortes. Leur corps s'effondrait là où ils pouvaient s'effondrer. Mais leurs esprits étaient déjà morts. L'État leur a bouffé la tête dès qu'elles ont commencé à recevoir leur chèque mensuel. Tu sais, RSA, CMU, CAF, etc., etc. Dans des correspondances que Sean entretient avec deux agences de presse, il va donner tellement de détails sordides sur les meurtres que l'accusation et la défense, c'est-à-dire son propre avocat, vont unir leurs forces et ils vont demander une ordonnance de... Alors je sais pas trop comment elle s'appelle cette ordonnance, moi je l'ai renommée l'ordonnance de fermage de gueule, pour demander que Sean ferme sa gueule et qu'il arrête de dire « j'ai tué comme ci, j'ai tué comme ça ». J'ai jamais vu ça. Le 6 janvier 2017, une audience a lieu pour déterminer si Sean est apte à passer au tribunal et à être jugé. L'évaluation, qui sera publiée le 6 mars, détermine qu'il était sain d'esprit au moment des faits. Son avocat est donc contraint de retirer le plaidoyer de non-culpabilité en avril 2017. Le procès commence en avril de l'année suivante, avril 2018. Et alors Sean, il est tellement saoulé de tout le process qu'il va finir par abandonner et plaider non coupable à tous les chefs d'accusation. Meurtre, enlèvement, viol, abus sur un cadavre, vol, cambriolage, et j'en passe. Enfin, il y en a beaucoup, donc je t'ai juste fait un petit top 5. Sean Great est déclaré coupable, il est condamné à la peine de mort. La date d'exécution était prévue pour le 13 septembre 2018, mais suspendue à cause d'un appel à la Cour suprême de l'Ohio. En décembre 2020, il perd la procédure d'appel, son exécution est donc reprogrammée au 19 mars 2025. Petit fun fact, l'injection létale n'est plus autorisée en Ohio depuis 2020, donc comment ils vont procéder puisqu'ils n'ont pas encore adopté de nouvelles méthodes? C'est une excellente question, j'aimerais bien savoir. Je termine cette vidéo en ajoutant une dernière information, c'est le fait que la maison des horreurs, elle a été d'abord saisie à cause d'arriérés d'impôts, ensuite elle a été démolie. Alors moi ce que j'en conclus de cette affaire, c'est que faut pas être vendeuse porte à porte, faut apprendre à changer ses pneus soi-même. Je sais pas s'il faut que je précise, mais je plaisante bien évidemment. T'es vendeuse, tu fais du porte à porte, tu tombes sur un psychopathe, c'est clairement pas de ta faute. Pareil pour le changement de pneus, hein, les bons samaritains qui t'aident, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ça existe vraiment, et je pense que je suis convaincue personnellement que c'est la très grande majorité des gens qui sont bons, qui sont gentils. Je ne sais pas si c'est naïf de ma part de penser ça. Que dire d'autre si ce n'est c'est l'heure d'aller dormir pour moi en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Petit rappel, un like, un commentaire, ça aide la chaîne, c'est gratuit, enfin c'est gratuit pour toi. Un grand merci aux membres, bien sûr, membres dont les noms s'affichent à l'écran. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.